Faute! Je le sens comment? Je sais pas. Pour nous, je le sens pas super, super bien. Vous vous rendez compte que notre destin est en train de se jouer? Ce qui va se passer aujourd'hui va avoir des conséquences. Vous vous rendez compte? C'est bon. Bonjour. Olivier. Clotilde Frédéric Laurence. Olivier avec un O. O, vous aimez l'UF. Je peux voir votre visage, s'il vous plaît. Tiens. Et lâcher le bulletin. O, deux L-I-E-R. À voter. Moi, je suis infirmière aux urgences depuis 20 ans. J'ai fait mes études à Montpellier et puis j'ai trouvé un poste à Montpellier, à La Valette à l'époque. C'était une clinique où on faisait que de la cardio. Ensuite, on a déménagé, on est parti à la clinique du Millénaire. Et donc, depuis, je travaille au Millénaire aux urgences. Dans ma famille, on est hyper politisé. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de politique à table. Je suis un mélange d'un côté d'un milieu agricole vraiment contre les pesticides. Et de l'autre côté, de ma mère qui était une militante, oui, qui a fait mai 68. Donc je suis une sorte de mélange de ces deux choses-là, c'est plutôt rigolo. Ouais. Guillaume Tricard, j'ai 34 ans. Dans la vie, moi en fait, je travaille dans la musique. Je suis producteur de musique. J'ai un label musical. Vous pouvez voir derrière les disques. Entre le 10 et le 25 septembre l'an dernier, il y a... un sondage qui sort, on voit que Philippe Sorel, le maire sortant, est vraiment en grosse difficulté. Il n'est même pas à 20%, donc ce qui est inédit dans toutes les grandes villes en France. Qu'il y a un milliardaire qui se lance, Altrad, qui officialise sa candidature. Donc en gros, il vient un peu foutre le bordel, parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça va être comme candidature. Il y a Rémi Gaillard, l'humoriste, qui parle aussi d'être peut-être candidat. Bon, et il y a dans ce sondage donc une liste verte qui est testée à 20% sans tête de liste. Sauf qu'en même temps, on apprend que les Verts organisent à Montpellier ce qu'ils n'organisent pas ailleurs en France, c'est-à-dire ils organisent une primaire ouverte. Eh bien, nous déclarons le bureau de vote des primaires de l'écologie à Montpellier ouvert. On a su créer un élan démocratique autour de l'écologie à Montpellier et je trouve que c'est un bon départ. Et en plus, ça se passe dans une très bonne ambiance, vous l'avez vu, il n'y a pas de déchirement. En plus, il y a une guerre interne des Verts que moi je ne connais pas, parce que je ne connais pas du tout ces gens-là, ce parti. Mais donc en gros, tu as Omegas, l'ancien Vert qui a structuré les Verts pendant 20 ans à Montpellier. Et pendant ce temps-là, tu as un type qui s'appelle Manu Reynaud, qui lui était son collaborateur pendant des années, qui a repris le groupe avec vraiment ses potes, quoi. Mais c'est des petits groupes à chaque fois. On parle de 15-20 personnes.
les partis, les Verts à Montpellier, c'est 15-20 personnes, pas plus. Donc c'est ça qui est incroyable. Ça a été très bizarre, en fait. Alors, quand on a les clés dès le départ, c'est plus facile. Mais quand on a les clés qu'à la fin, c'est forcément... Moi, j'arrivais et le problème que j'ai eu, c'est que je n'avais pas saisi tous les enjeux. Manu, qui avait été obligé de lâcher le truc dès le début, sous la pression de tout le monde, en fait, il ne l'avait pas digéré. Et il ne l'a jamais digéré. Je m'appelle Manu Reynaud, je suis actuellement porte-parole d'Europe Écologie des Verts à Montpellier, deuxième adjoint au maire de Montpellier, et j'ai été directeur de campagne de la liste Choisir l'écologie, qui était pilotée par Coralie Mention. Elle et Clotilde Ollier étaient maires d'un petit village qui s'appelle Murle, je crois qu'il y a 140 ou 300 habitants, je ne suis pas capable de le dire, quelque chose comme 300 habitants. C'était, sur le papier, une belle histoire possible. Si on avait su qui c'était, on ne l'aurait jamais fait. Et on s'est fait leurrer, comme je pense beaucoup. Pour moi, Clotilde Ollier, ça reste la plus grosse erreur de casting de ma courte vie politique. Et il y a des trucs sur lesquels on ne discute pas, et ça n'est pas négociable. Et le mensonge ne fait pas partie de nos pratiques politiques. Par contre, c'est l'essentiel de la pratique de Clotilde Ollier. Il avait prévu, lui, en amont de ce que j'ai su qu'après, en fait, de proposer à pas mal de partis de gauche de nous rejoindre pour faire une union de la gauche avec les Insoumis, avec Génération, avec les Radicaux. Je me souviens, je disais à Manu, mais Manu, ça ne va pas poser un problème puisque à la base, il était prévu que les Verts y aillent seuls. Et c'est là qu'il m'a ri au nez et qu'il m'a dit, mais t'as vraiment rien compris, ma pauvre fille, t'as pas compris. En fait, je leur fais croire qu'ils partent avec nous pour qu'on les empêche de monter une liste. Pour qu'ils soient coincés. Je l'ai toujours dit que nous, on était prêts à se rassembler, à discuter avec toutes les personnes qui portaient le social et l'écologie. Bien sûr, je répète ce que je dis depuis le début, bien sûr. Évidemment, il va falloir, de toute manière, c'est nécessaire. Moi, j'ai décroché dès début décembre, l'élection avait lieu mi-octobre, mais comme je fais partie des gens qui croient au collectif et qui pensent que le collectif est plus important que le reste, est plus important que ses perceptions, que ses sensations personnelles, je me suis mis en retrait. Entre Noël et le jour de l'an, on se voit beaucoup avec Clotilde. Elle me dit qu'il faut qu'on se voit de manière secrète, parce que c'est très chaud avec les Verts. Et elle me dit, donc du coup, je ne peux pas vous mettre de manière officielle. Sauf qu'en même temps, Reynaud, du coup, s'éloigne et sort quasiment de la campagne. Pendant 10 jours, il ne répond plus à personne, à part à son petit groupe. Je suis ravi, à double titre, en tant que porte-parole Europe Écologie et binôme de Clotilde, sur cette liste, d'être ici, parce que ici, c'est un vrai symbole. Il y a l'annonce qui se fait, on arrive là-bas, il est là. Moi, on ne l'avait pas vu depuis un mois, nous, donc les gens des Insoumis. Et là, il fait un show à l'américaine. Toute la presse est là, il prend le micro, il dévoile une bâche. L'écologie en commun, c'est ce qu'on avait acté, mais avec un énorme logo Europe Écologie Les Verts. Et il n'y a plus du tout les logos des autres partis, rien. Et il explique qu'il n'y a pas d'union de quoi que ce soit, que c'est Europe Écologie Les Verts et qu'il y a des gens divers et variés qui viennent et qui viennent en gros soutenir Europe Écologie Les Verts. Donc on vous a laissé dans le froid, mais c'est bientôt terminé. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique. Un mouvement politique dont 100% des adhérents, et je dis bien 100%, dit « il faut qu'on arrête ». Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un pour dire « oui, mais vous exagérez ». En face, on a une seule personne qui s'appelle Clotilde Ollier, qui profère des incantations. Une seule personne. Je ne vais pas prendre la citation de la cité de la peur avec 1000 personnes, une personne, mais il y a un moment donné, on n'embourbe pas 150 personnes en les manipulant. C'est pas vrai. Évidemment, une semaine après, on comprend que c'est en train d'être joué. Clotilde nous dit, voilà, moi, soit j'arrête, soit je vous regarde autour de la table, on continue, on y va ensemble jusqu'au bout. Là, les gens qui sont autour de la table, et si les Verts, certains s'en vont, s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, on y va ensemble. Ce que n'avait pas compris Manu, c'est que plus on me tape dessus, plus on essaie de me détruire, plus j'ai une énergie vitale qui me pousse à y aller, à gagner, à... Je puise dans cette chose négative, en fait, de l'énergie positive pour avancer et pour me battre. Parce que plus on m'attaque, plus je me dis que le combat que je mène est dans le droit chemin. Et c'est juste. Et du coup, je dis par contre, je pense qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est complètement transpartisan, qui ne fait pas du tout partie des... qui n'est pas dans un parti politique, qui représente aucune force et sur lequel il n'y a pas encore... d'oukase où il n'y a pas de cible, c'est Jean-Yves. Donc Jean-Yves Dormagin, je suis professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier.
Je m'intéresse tout particulièrement à la sociologie électorale, sociologie de l'abstention, les préférences électorales, les campagnes. Voilà, et dans cette campagne, j'ai été pendant quelques semaines le directeur de campagne de Clotilde Ollier. Moi, je n'imaginais absolument pas la suite, hein. J'avais absolument aucune idée de ce qui allait se produire dans les heures et dans les jours qui ont suivi. Ça n'existe pas dans aucune campagne. On enlève un logo à une candidate qui a été élue par une primaire en plus. Ça n'existe nulle part. Je m'adresse avec vous avec gravité et beaucoup d'émotion. On me reproche, paraît-il, de m'être isolée. Ai-je l'air isolée? Non. Aurait-on osé s'attaquer à moi de cette manière si je n'étais pas une femme, mère célibataire et infirmière aux urgences? Ces méthodes, ces tripatouillages, cette tambouille sont d'un autre âge. Ils discréditent la politique. Et ils enclenchent la machine à perdre qui fait toujours le jeu de nos adversaires. Certains peuvent me contester le logo, mais mon cœur, lui, reste à Europe Écologie Les Verts. Je pense que je suis utilisé, je suis instrumentalisé pour justifier sa destitution, mais je n'ai aucun doute sur le fait que c'est une instrumentalisation et un prétexte, ne serait-ce que parce que les écologistes refusent de parler avec moi. D'ailleurs, Clotilde propose aux Verts mon remplacement par Christian Dupraz, avec mon accord. En gros, l'explication principale de la destitution de Clotilde Ollier, c'est qu'elle se serait rapprochée de ruffinistes, donc en l'occurrence c'est moi, hein, il n'y en a pas d'autres, ouais, de ruffinistes au pluriel, qui l'auraient gouroutisée et que donc on lui a mis le grappin dessus parce qu'on est en train de préparer l'après. Effectivement, certains qui ont intégré la nouvelle équipe de Clotilde Ollier voulaient faire une opération ELV avec une orientation, on dit pastèque, vert dedans et rouge à l'intérieur. Un mois après la primaire, Manu m'a dit « Viens, on va manger chez moi, il y aura Christian Assaf et Michaël Delafosse. On mange tous les quatre, on mange chez moi, ça sera sympa, machin. » J'ai dit « Bon, ouais, pourquoi pas ?» Je me retrouve dans la cuisine à éplucher les légumes avec Christian Assaf. Christian Assaf, qui est le baron noir socialiste de la région, quoi. Et là, j'ai Michaël Delafosse en face de moi qui me dit « Écoute, Clotilde, je suis d'accord pour être numéro 2 sur ta liste. » Ça, c'est la thèse de Madame Ollier. Moi, j'ai toujours dit « Je serai candidat tête de liste à la mairie de Montpellier. » Donc, Madame Ollier, elle a intérêt à dire ça, c'est normal, elle écrit son histoire. Et j'ai dit à Michaël, écoute, on fait le premier tour, on verra pour le deuxième. Et là, je me souviens du regard qu'il y a eu entre Christian Assaf, Michaël Delafosse et Manu Reynaud. En fait, ils se sont regardés et ils se sont dit, j'ai vu dans leur regard, j'ai senti un vieux blanc, ils ont dit, merde. Et elle le regrette énormément, évidemment, parce qu'elle n'a pas du tout les codes politiques. Au lieu de lui dire, mais bien sûr, Michaël, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on parle là-dessus, ou tu vois, on ne va pas le faire comme ça tout de suite, mais effectivement, il faut qu'on... pour gagner du temps, tu vois, et c'est comme ça que tu fais de la politique. Elle lui dit, mais non, mais attends, moi j'ai manifesté, j'ai fait les manifs loi travail, j'ai fait les manifs gilets jaunes contre le PS, etc. et tout. Je ne peux pas m'allier avec vous, pas au premier tour, on verra pour le deuxième en fonction de qui est devant. Oui, Manu Reynaud a pensé depuis le début que j'étais une sorte de poupée de chiffon, quelqu'un qu'on pouvait téléguider. S'il avait discuté 3 minutes avec mon entourage, il aurait compris qu'il avait choisi la mauvaise personne pour faire ça, puisque je suis tout sauf ça, je suis une femme de conviction et je ne suis pas un pantin, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que M. Reynaud, M. Assaf peut vous dire, j'ai dit, je serai tête de liste. À un moment du premier tour, vous avez proposé aussi à Michaël Delafosse de rejoindre la liste en numéro 2. De toute façon, tu vas couper. Hein. Non. Enfin, je peux te le faire en on. Non, ça n'a pas été. C'est pas quelque chose qui a été à l'ordre du jour. On m'a parlé d'un déjeuner où il y aurait eu Christian Assaf, Michaël Delafosse. Alors, moi, il se trouve que Christian Assaf et Michaël Delafosse, je les connais, puisque nous avons été
dans des milieux étudiants en même temps. Donc ça m'arrive de manger avec Mickaël Delafosse et Christian Assaf. Aujourd'hui, les choses sont relativement simples et claires, c'est-à-dire que la primaire Europe Écologie Les Verts a fait l'objet d'un deal entre Manu Reynaud, avec le Parti Socialiste, son candidat Mickaël Delafosse, très probablement Christian Assaf. Cette destitution, c'est une sanction pour ne pas avoir accepté l'alliance avec les socialistes. Est-ce que ça marche ? Est-ce que j'ai débouché la cafetière ? Bon, Aurélien, ton coca congé, là, je le mets au frigo. Là, j'ai réparé la cafetière, je suis trop impressionnée. Kiki, tu veux un café ? Non, si, je prends un truc sucré et très mauvais pour la santé. Je suis une entreprise capitaliste, pas du tout écolo. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. Heureusement que j'ai des enfants qui sont des enfants de militants, heureusement qu'ils sont grands, heureusement que j'ai ma mère, heureusement qu'on est une famille extrêmement unie. Enfin, moi, je viens d'un milieu où on se dit les choses, où on se parle franchement quand ça va pas. Alors des fois, c'est un peu... Mais on se dit les choses, on parle et on s'explique. Quand on est confronté à la politique, où c'est un milieu beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus... on se dit pas les choses, tout est faux, tout est... Donc c'est une violence qui est beaucoup plus grande que celle qu'on vit quand on vient d'un milieu simple, où voilà, quand on a un truc à se dire, on se le dit, on se le balance, et puis les choses sont terminées. Et c'est ce que j'ai eu hein, pendant cette campagne, des choses beaucoup plus violentes en fait que de se mettre un pain ou une claque dans la gueule. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous revoir. Alors je vais peut-être me lever, faire de l'écologie, c'est pas faire avant tout. On fait de l'écologie et on va au bout de ses convictions. C'est le sens de notre alliance, c'est le sens des personnes qui sont audacieuses. Soit on est audacieux, soit on l'est pas et on fait les choses à moitié. Et quand on fait les choses à moitié, on se retrouve avec une ville qui est à l'abandon, une ville qui est à moitié détruite. Ce qui me plaît dans le fait de faire de la politique et d'avoir des responsabilités, c'est qu'on a la possibilité, on a les clés pour que ça change et que ça aille plus vite. On peut toujours le faire quand on est dans le milieu associatif, hein. Il y a des militants de terrain, il y a des gens qui sont extrêmement engagés dans le milieu associatif et qui changent les choses aussi à leur échelle. Mais ce que j'ai compris en étant maire de Murle, c'est que ben, c'est tellement plus simple quand on a les clés et qu'on peut décider en amont sa cascade et ça va beaucoup plus vite que quand on se bat d'en bas. Monsieur Tricard. Je suis partie avec ma mère. Ah, parce que je vais t'amener ça là. Super. La lettre par le commerçant. Génial. Tu vas où là ? Ben, je retourne au local. Ben, je sais pas, dire bonjour et puis après je vais trouver quelqu'un pour aller distribuer les commerçants. Bah ouais. Je prends le paquet là ? Bah ouais. Mais tu fais quoi toi ? Bah, je vais retourner. Cécile Dollier, pour moi aujourd'hui, c'est une amie. C'est une amie. Notre relation politique est devenue une relation complice, et puis après, c'est devenu une relation intime. Elle m'a raconté beaucoup de choses sur sa vie. Elle s'est énormément confiée. Je suis devenu la personne de confiance pendant la campagne. Je fais ce que vous voulez, mais pas derrière un PC, mettez-moi dans la rue. Mais c'est ça, là, c'est action de terrain de Clotilde. Et nous, de la même manière, on a à peu près une quinzaine de rendez-vous dans la semaine de lobbying sur les communautés. Donc toutes les communautés sont revenues vers nous. Donc on retourne sur du lobbying spécifique. Moued a souhaité que je sois le directeur de campagne de son équipe. Et mon rôle, il a été... à quelque part à trois volets. Le premier volet, de constituer une équipe de campagne. Le deuxième objectif, d'être la courroie de transmission
entre l'ensemble des équipes et Moed Altrad, parce que Moed Altrad continuait de gérer son entreprise. Le troisième rôle était important, c'est d'essayer d'apporter de l'expérience, de bien connaître les arcades montpelliéraines, de bien connaître les réseaux montpelliérains et d'essayer de les mettre en adéquation avec l'homme qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas un homme de réseau, qui n'est pas un homme habitué à ce schéma d'une campagne. On a les réseaux et les réseaux, on les a réactivés. Ouais, mais qui c'est qui fait ça en nous ? C'est Moed y va ou c'est... Moed y va, Moed obligatoire. Ah, donc Moed... On y va tous les deux, on y va tous les deux. Parce qu'à chaque fois, ces communautés veulent toujours avoir cette sensation d'être privilégiées, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et que c'est quelque chose de off, de confidentiel. Donc on leur accorde à chaque fois 30 minutes. Sinon, ça va être 3 heures pour la même chose. Donc 30 minutes, on explique qu'on a rendez-vous derrière. Et on s'en colle deux par jour en ce moment. Samedi et dimanche, on en a 4. Je m'appelle Robin Foulon, j'ai 23 ans. Et je me suis engagé avec Moed Altrad il y a un an maintenant. Il y a eu un choc entre l'organisation verticale Altrad et horizontale Nous Sommes, où tout le monde participait et celui qui fait a le droit de parler. Et une organisation Altrad verticale où c'est celui qui a un statut qui parle, qui a un pouvoir décisionnel en fait. Alors oui, on peut donner l'impression d'avoir un management plus directif au lieu d'un management plus participatif, mais c'est faux. C'est juste qu'à un moment, chaque décision elle doit être tranchée pour nous. Elle est tranchée par le candidat, parce que c'est son image, sa personnalité. On pourrait faire quelque chose de fort, là, ça serait alors, vraiment bien. Trouver un tracteur, d'autant plus, un tracteur d'un agriculteur du coin, on va le faire labourer, il y a des champs autour, en fait, qui faut qu'il lui appartienne, le champ. Oui, on met moi c'est génial. Nous, à Nous Sommes, ça marchait bien, parce qu'il y a une idée, c'est un peu une idée farfelue. Mais en fait, direct, c'est OK, on y va, on le fait. On avait une phrase dans Nous Sommes, c'est « ça se fait pas, alors on le fait ». Tu mets Moed sur le tracteur, en photo, c'est génial. Si j'arrive à te le vendre, ça va te coûter cher. Parce que là, tu vas demander un truc. Je conduis le tracteur. Le temps nous a manqué. Et pour celui qui l'a exposé, de mettre Moed Altrad sur un tracteur était une très bonne chose, casser les codes. Et je trouve que l'idée était recevable. Mais comme toute idée, elle doit être analysée après sur sa déclinaison et sur son impact. Et donc, vous avez besoin de temps pour le faire. Nous avons tranché pour ne pas le faire. Et ceux qui ont œuvré pour le faire, ils ont une vraie frustration. Parce qu'ils disent, on a passé beaucoup de temps pour cette opération et on ne l'a pas réalisée. Oui, mais à la fin, on a jugé qu'elle n'était pas bonne. Moed avec les enfants, tu vois. Moed qui achète son... Ce serait bien que j'achète. Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est que Moed... Là, tout à l'heure, je suis au courant que ça ne pas... Moi, je l'ai croisé deux fois en centre-ville. C'est quelqu'un qui, dans sa vie normale, c'est quelqu'un qui... Il est pas... Donc, s'il a raison, il faut monter, c'est un mec qui... Il va faire ses courses, hein. Enfin, sa femme va faire les courses. Et l'équipe d'Altrad, en gros, était persuadée qu'il fallait mettre Altrad en avant comme un chef et comme un patron, et que c'était ça la bonne communication. Et nous, on essayait de leur expliquer qu'en faisant ça, ils perdaient le bénéfice d'une alliance avec des listes citoyennes et écologistes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, à demain. Bonne soirée. Et direction Montpellier, maintenant étape du jour de notre série sur ces municipales, sans doute la campagne la plus folle de France, avec cette alliance entre écolos dissidents soutenus par une partie de la France insoumise et représentée par le milliardaire Moed Altrad face au maire sortant d'hiver gauche et à un socialiste officiellement soutenu par les Verts. Montpellier célèbre pour sa place de la comédie, storyboard d'une campagne improbable, signé Laurence Perron. Je suis Yalène Cadoulin, j'ai 30 ans, j'habite à Montpellier depuis 6 ans. Et puis il y a 2 ans, j'ai initié avec quelques autres personnes sur Montpellier le mouvement Nous Sommes Montpellier. Alain K, c'est quelqu'un que j'ai découvert. On a passé du temps, on passe du temps encore ensemble. Elle n'est pas là pour elle, elle est là pour les valeurs qu'elle défend. Et ça, c'est la principale des choses. Bon, alors on va y aller. Alors on est où là de cette campagne? Il y a un sondage qui est sorti, qui donne... Michael de la Fosse vainqueur. Je trouvais ça. Merci.
Écoutez, c'est un sondage. Nous, on avance, en tout cas. On a un beau programme, un vrai programme de relance, 1 milliard d'euros pour la ville. Si on me demande de parler d'un sujet que je ne connais pas, France Inter, ça va être difficile pour moi, mais parler de ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. Et puis, on a jamais menti à personne. Voilà, ça a plu, ça a déplu, mais... Donc là, vous avez un coin du triangle des Bermudes qui arrive, c'est ça? Oui, il y a Rémi qui arrive. Alors, Rémi Gaillard, c'est quelqu'un de très intelligent et très sensible pour le coup. Après, c'est sûr qu'il a sa personnalité, et du coup, c'est pas toujours facile à gérer. Moi, je fais partie des gens qui sont chez les écolos, des militants féministes, des militants pour un certain nombre de valeurs et de trucs. Moi, l'obscénité, c'est pas mon truc, et il ne me fait vraiment pas rire. Rémi Gaillard, je pense que c'est un authentique révolté. J'ai pas de relation personnelle avec lui, mais je pense que c'est quelqu'un de profondément sincère sur son combat animaliste déjà. Les gens veulent dire qu'il est populiste. Ouais, et alors? Et alors? Je l'ai rencontré pendant cette campagne. Je m'abstiendrai de tout propos à ce sujet. Moi, avec Rémi, j'avais l'impression d'être avec mes collègues de boulot, avec qui on se chambre, avec qui on rigole, avec qui on désacralise tout ça. Et c'est ce que fait Rémi quand il plaisante. S'il a envie de dire merde à quelqu'un, il lui dira merde. Et moi, pareil. Ici, ce sondage nous a même tous étonnés en se disant que Sorel, à la rigueur, puisse se faire réélire, pourquoi pas. Mais alors, Mickaël de la Fosse. C'est à moi de parler ? Ouais. Je me suis présenté à Montpellier en tant que clown parce que justement c'est un cirque. Puisqu'il te faut des punchlines et que tu vas faire un 3 minutes, mais je sais comment tu vas travailler après, tu vas faire un 3 minutes, elle parle pendant un quart d'heure, elle va dire « Oh merde, elle a rien entendu de ce que j'ai dit ». Donc, très clairement, en ce qui me concerne, je préfère voter blanc ou pour n'importe qui d'autre. Pour Bob l'éponge, une clé à molette ou un milliardaire, plutôt... que les deux tartuffes qui sont en fait les mêmes. Je l'ai rencontré dans son local. J'ai baissé mon froc dans son local. Je lui ai dit, Mickaël, tu veux m'enculer tout de suite? On fait comment? Je lui ai proposé quelque chose de plutôt... C'était un cadeau quand je lui ai dit, écoute, c'est 15 sièges d'élus puisque tu en proposes déjà 10 à Écologie Les Verts officiels, hein, parce qu'il faut être officiel, qui ont fait seulement 7%. À nous, c'est 27%. Est-ce qu'on peut en avoir 5 de plus seulement? En fait, c'est un putain de clown, c'est une mascarade, c'est un triste politique. Je n'en peux plus avec son ami numéro 2, qui était son camarade de classe, amical de la Fosse, qui s'appelle Manu Reynaud. En fait, ils se font des pipes, c'est une black room. On est copains de classe, c'est super. Et moi je n'étais pas copain de classe avec le milliardaire, ni avec Alenka, ni avec Clotilde que j'ai rencontré. Lui, ce bouffon du PS, quoi, hein, qui essaye de prendre la couronne depuis que le roi Georges Frêche est mort, qui ressemble à rien, mais c'est pitoyable. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il dit à une infirmière, soigne et tais-toi, puisqu'il veut pas de l'écologie dissidente. C'est quoi l'écologie officielle? Ils font un logo et tout. Il va te faire... Non, je sais que tu vas le mettre, donc je le dis pas. Ah non, ça je peux pas, j'ai pas le droit, il me le cite. C'est vrai, il va te faire enculer. Putain, là j'aurais aimé que vous soyez là, les filles. Il me fait mal, ce butin. Là j'aurais aimé que vous soyez avec. J'ai pas envie de prendre son butin. Les deux autres, ils sont pires, non? Ah, il fait. Même si j'aime pas sa gueule, j'essaie d'être juste. Ouais. C'est bien. Si je suis ailleurs, je connais pas, je suis pas de Montpellier, j'essaye de faire abstraction. Je pense que je me suis. Ouais, je sais pas. C'est vert. Il y a un truc qui m'attire, ils ont été bons, c'est con. Ben oui, c'est vert. Je vous l'ai dit qu'il fallait un bulletin vert. Ils ont joué l'écologie. J'ai dit qu'il fallait un bulletin vert. C'est important ça quand même. Nous sommes l'écologie en commun, oui, yes, we clown. J'espère que les gens. Tu sais, les gens ils voient la fiche aussi en rentrant. Et on est tous les trois sur la fiche. Oui, bah j'espère. Mais ils ont été bons avec le vert, quoi. En général, cette dimension-là de la campagne, on la montre pas. À tort ou à raison, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et les candidats essayent de montrer, avec plus ou moins de succès, mais essayent de montrer une détermination, etc. Bon. Alors que bien évidemment, on passe son temps à s'interroger, à douter, à hésiter, c'est normal. Là, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on est en train de faire. On fait quelque chose qui est plutôt original. C'est très important d'aller sur les marchés, d'aller en porte-à-porte, d'aller parler avec les commerçants, etc. Parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi et qu'on découvre ce que ressent une ville, ce qu'elle comprend, ce qu'elle attend. Le projet
Donc le projet, donc, c'est les axes que vous avez là. Je pense que pour ceux qui étaient là, vous l'avez lu. Pour les autres, je vous conseille avant de le donner quand même, de le lire aussi. Ça peut être pas mal. Le plan de relance. Je suis arrivée en septembre, donc en fait j'ai un petit peu participé au programme. Et après pareil sur le deuxième tour, où en fait là j'étais en lien avec les équipes des candidats qui nous ont rejoints et la nôtre. Moi, c'est quelqu'un qui délègue, on rappelle, énormément. C'est-à-dire qu'il a des responsables, il a des responsables entre guillemets. C'est pas simplement des collaborateurs, c'est des gens qui savent faire et à qui il sait faire faire. Un maire, on n'est pas capable de faire lui tout seul, tout. Sur une élection municipale, l'électeur vote pour la tête de liste, vote pour le candidat. Donc forcément, il fallait que l'ensemble des colistiers, du numéro 2 au numéro 72, je crois, de mémoire, soient à l'unisson, au service du candidat. Parce qu'on vote pour le candidat. Moi, ce que j'aime, c'est être dans la rue, à discuter avec les gens, à parler, à rigoler, à refaire le monde, à discuter comment on peut gagner, comment on peut changer les choses, comment on peut s'unir. C'est là que je m'éclate, enfin, et je fais les choses parce que je me régale. Bon, Marie-Lévy, tu sais que ton rêve est réalisé, il s'est arrangé avec Raja. Je l'ai écouté, je crois qu'il est génial, c'est une écolo. Rémi Gaillard et Alain Cade. Idéal. Exactement. On a un grand plan de relance pour la niche, pour redonner les avis. Ah non mais attendez, je suis absente le 28, je vais faire une procuration parce que vous êtes là. Merci. Allez, pas bonjour. Merci, enfin, oui. Merci madame. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Alors, comment vous trouvez dans un parti les Verts? Chez moi, Mohamed Alkhad. Comment? Mais je vais vous montrer. Vous avez vu qu'on s'était allé à trois avec un candidat. Ah oui, bah oui, c'était un choc. Moi, la dame qui a fait procuration, moi, ça va être la première fois de ma vie que j'irai pas voter. Oui. C'est pas qu'elle voulait pas comprendre, elle était pas d'accord, elle a le droit. Ben, je trouve ça dommage, oui, et après, je comprends, oui. Peut-être que moi, à leur place, j'aurais réagi comme eux. Hein. On a fait ça parce que économiquement, écologiquement, c'était ce qui était le plus utile, le plus efficace. Okay. Et du coup, ça vous a pas plu, donc vous avez voulu y aller toute seule au premier tour, vous êtes plantée, non, donc là, vous mettez derrière, elle sera revêtue. C'est pas le deuxième tour, c'est ce que Mickaël de la Fosse m'a proposé. Sauf que Calcran vous a proposé plus. Non, c'est ça, un deuxième tour, c'est qu'il proposait 5 places. Il y a 5 places, on ne fait pas bouger le conseil, c'est-à-dire qu'on ne peut rien voter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de pouvoir agir sur les politiques publiques. Et le moyen qu'on a trouvé, c'est de partir tous les trois ensemble pour avoir justement le poids pour aller. Alors, les points communs, on va regarder. Il y a 23 écologistes sur la liste. Ah, bah oui, des vendus encore. Bah, je sais pas si vous pensez que nous sommes sur des vendus. Ah, bah franchement, moi, j'ai plus aucune ferveur politique. Là, ça y est, je suis dégoûtée. Vous m'avez dégoûtée. J'en veux pas de votre papier. Okay. Je comprends, vous avez le droit. Et vous représentez très mal la profession. Sur le deuxième tour, ça a été beaucoup plus compliqué. On recevait beaucoup d'agressivité. Enfin, il n'y a pas eu de période vraiment d'adhésion. C'était droite, gauche. L'agressivité ne venait pas des gens de droite qui venaient dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Oui, il y en avait, mais aussi des gens de gauche qui ne comprenaient pas l'alliance non plus. Pour eux, c'était pas... Il était inconcevable cette alliance était aussi inconcevable. C'est la première fois où c'était aussi dur d'aller à la rencontre des gens parce que les gens ne comprenaient pas. Il y a eu vraiment un décalage et il nous aurait fallu 3 ou 4 mois pour arriver à combler ce premier décalage de compréhension avant que les gens entendent des propositions. Parce qu'en fait, les propositions, ce qu'on a proposé, les gens n'ont pas entendu. Oh.
C'est l'alliance des citoyens, c'est d'un côté les compétences économiques, et puis on est tous venus par mon aide, c'est-à-dire avec l'écologie. Tout ce qu'on voulait quand on a commencé à discuter, c'était trouver face à nous quelqu'un, un interlocuteur en tous les cas, dans tous ceux qui étaient au deuxième tour, qui est vraiment pris conscience de la crise, après la crise sanitaire, la crise sociale, économique qui arrivait. C'était la une du monde hier. Hein. Ça, c'était, je pense que c'est la seule belle journée qu'on a eue. En fait, bon, pour le coup, on s'est, entre guillemets, amusés. Ensemble, tel que dans une campagne, puisque dans une campagne, quand on les fait, on n'est pas tous complètement maso non plus, parce qu'on y prend du plaisir. On rencontre des gens, on fait faire, voilà. Là, pour le coup, cette journée-là, en termes, je veux dire, d'image d'une campagne, c'était une campagne. C'était la seule journée d'alliance. Voilà. Ami. Oui. Merci. Clotilde. Je vais faire un article sur la visite à Saint-Martin qui était grandiose. Pour ceux qui connaissent pas Saint-Martin, je connais pas énormément, mais en gros, t'as un petit centre commercial qui est à peu près au milieu du quartier. T'as des tours tout autour. Et tu dis bon, pour les images, c'est bien, tout ça, quartier populaire, tout ça, pas de pavillon friqué, pas de piscine, tout ça, pas de Rolls qui passe devant, pas de Ferrari. Ok. Et là, ils sont là tous les quatre. Tu te dis super. La chose que vous grillez pour le convaincre de vous dire vous dans 24 heures. Pour votre première décision, si vous êtes élu. Ça va la décroître. Dans ma partie à moi, la majorité de ce que j'avais fait dans la gestion des actions de terrain, c'est mobiliser les militants. Parce qu'on a beau avoir une action qui est vachement planifiée au millimètre près, sans aucun imprévu, si on a personne derrière, ça floppe. Il n'y avait pas beaucoup de storytelling en général dans nos actions. C'est Moed qui voulait se rendre compte de ce qui se passait dans tel ou tel quartier. Et après, on réfléchissait à la communication. Moed, ce n'est pas quelqu'un qu'on change pour faire de la communication, on l'habille. Moi, je ne suis pas super à l'aise sur les trucs comme ça, où il y a 1000 gens qui te regardent, tu dois jouer un personnage. Voilà, je pense qu'il y en a qui étaient très à l'aise, Rémi était très content. Voilà, de toute façon, ça se voit direct quand je suis pas moi, donc j'évite de faire semblant. Ah, ça c'est Alfred. Non, c'est vous. Ouais. Ah, c'est l'Alliance. C'est la meilleure réponse de la journée. Bravo. C'est beau ce que tu dis. Les gens nous suspectaient de ne pas être une alliance sur le fond et d'être une alliance de circonstances. C'était tout le contraire, on avait vraiment un programme solide. Il aurait fallu la montrer, cette alliance. On aurait dû faire ça, on aurait dû traverser tous les quartiers, aller discuter avec les commerçants, beaucoup plus. Montpellier n'est pas une si grande, c'est une grande ville, et c'est une ville qui reste une ville quand même à taille humaine. Et c'est une ville qu'on peut parcourir pendant 2 semaines, 3 semaines, on peut pratiquement arpenter toutes les rues et tous les quartiers de Montpellier. Donc oui, c'est dommage de ne pas l'avoir fait, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux là. Ouais, donc on arrive, et puis eux nous disent, mais il a refusé le débat. Donc vous faites demi-tour, quoi. Donc on est reparti. Cool, hein. C'est quoi, c'est lui qui a mis. Oui. On a couru après eux, on a essayé de trouver. Il y a le boucher qui t'attend. Un dialogue intelligent, on n'a jamais réussi. Moed, il y a le boucher qui t'attend, mais tu vas sans moi, hein, parce que sinon on perd des Et il a dit Rémi Gaillard devant, donc. Voilà. D'abord le premier, hop. Le boucher, c'est sans moi. Je vais ton boulot là. Non, moi, je vais pas voir le boucher, quoi. Faut pas me dire que dans une équipe, il n'y en a pas un qui est allé faire. Dans l'équipe, je parle, hein, je parle pas des 4 colistiers. Dans l'équipe, il n'y en a pas un qui est allé faire le tour du bâtiment, regarder s'il y avait une boucherie, si c'est une boucherie halal, chevaline, si c'est une boucherie. Et si au bon moment de la visite, la boucherie elle serait ouverte ou fermée, sachant que dans l'équipe, t'as un mec qui milite depuis des années contre la violence, la souffrance animale, tout ça. Enfin, on l'a vu, il est allé à la SPA, etc., etc. Et ils ne se sont pas dit, il y aura peut-être un problème. On essaie un peu de faire du repérage quand on ne connaît pas la zone, mais dans notre campagne, je ne crois jamais avoir fait de repérage, parce qu'on a toujours des gens qui sont Montpellier depuis des années et qui connaissent aussi le terrain.
Nous, on a voulu profiter de Saint-Martin pour signer le pacte sur la transition écologique à ce moment-là. Justement, on a voulu le faire là parce que à chaque fois que tu vas signer un pacte sur je sais pas quoi, l'écologie, tu vas le faire au milieu d'un champ. Au contraire, on porte le fait que l'écologie, en fait, elle peut être populaire. Elle peut servir aux classes populaires, aux gens qui sont dans le besoin, parce que la facture énergétique qui diminue, la moindre consommation d'eau, moins de frais sur les transports, etc. Voilà, c'est ça qu'on défend. Et du coup, on l'a fait face à la Tour Saint-Martin, qui est, comme tous ces logements-là, en fait, des passoires thermiques, où c'est inconfortable, parce qu'il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Ouais, donc moi je vais au ballon. Ah ouais, je l'anime. Ah, je vais au foot. Tiens, je vais faire des belles photos, je vais au foot. Bah, ça, c'est typiquement en fait ce qui marche. C'est de mettre des gens dans des positions un peu particulières. Là, ça fait des belles images. Il y a quand même Rémi Gaillard qui a une entrée folle dans ses quartiers. La partie de foot, il était totalement naturel. Il gère aussi une partie du rugby, donc il aime bien aussi tout ce qui est sportif. Donc non, je pense pas que ça allait vraiment heurter de faire une partie de foot avec des gens, puis il était très cool à ce moment-là. Par contre, l'habillage qui est autour, on n'en a pas trop parlé, mais moi, qui le connais un peu au bout d'un certain temps, ça correspond pas trop à l'image. Il a jamais aimé vraiment le storytelling et la récupération politique. Que l'image de Moed, elle s'est créée avec le temps et pas avec des communicants. Voilà. Ah, c'est gagné. Je comprends que pour eux ce soit compliqué, mais je pense que voilà, c'était compliqué parce qu'ils n'ont jamais fait ces choix là. Et en fait, depuis le début, Altrad, c'est ça. Ils sont pris entre leur aile gauche et leur aile droite. C'est avec des jeunes des cités, donc c'est des images qu'ils n'assument pas forcément. Cette crédibilité-là qu'ils essayent de construire autour d'Altrad, en fait, c'est difficile pour eux, en fait. Allez, on prend, c'est pas la peine, on fait des exploits. À la cave directement, on se met à deux. Ça renvoie pas un sérieux en fait qui cherche à potentiellement mettre Altrad, alors que justement finalement le mec il est millionnaire, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout, c'est bien le seul en fait là-dedans qui peut se permettre ce genre de choses. Mais si effectivement à chaque fois, là déjà cette semaine ou la semaine prochaine il y a le budget, si à chaque fois il y a des trucs qui se passent et on voit dans leur camp qu'il y a deux équipes ou deux clans ou deux annonces différentes, bah faudrait qu'ils aillent l'expliquer aux gens qui ont voté pour l'équipe des quatre. C'est comme si c'était une équipe de foot où t'as un milieu offensif qui tire en face, mais t'as l'attaquant qui tire derrière. Je suis entraîneur, je te souhaite bien du courage. Hein. Ouais bah dans les quatre. Bonjour. Ouais ouais. Ce truc, ça a été organisé plutôt par qui, on sait ou pas? Par nous sommes. Ah putain, ce tribunal administratif, j'en étais sûr. Allons-y. Allez. Moi, je suis là. On va attendre.
affaire. Après, tu dois être élu. Bonne santé, salut. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour défendre l'ancienne friche de Mimi, donc c'est-à-dire le l'île Auvergne, qui a été louée gracieusement par une mécène, Mimi Vergne, pendant des années, à des associations culturelles sur le quartier de Figuerolles. Je pense que voilà, quelquefois, ça y est, contre des projets qui conviennent à personne, sans avoir à se tirer dessus les uns les autres. Moi, je suis pas là pour entendre ce genre de choses. Enfin, je suis déjà suffisamment peinée de ce qui va se passer. Bon, voilà. Oui, mais bon, faites-le en aparté. Moi, je suis désolée. Nous, on est venus pour apporter notre soutien. Bonjour. À une démarche. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens sont pas capables de s'entendre et ils sont pas capables de s'entendre par rapport à un même combat. Les gens qui étaient devant le tribunal ce jour-là étaient là pour soutenir le collectif, pour soutenir la personne qui a demandé un recours au tribunal administratif. Et je trouve que c'était absolument pas le lieu pour se quereller par rapport à un différent X ou Y. Après, dans aucun des programmes, il était mentionné ce projet-là, et je suppose qu'il y en a plein d'autres à Montpellier, des projets comme ça, pour se mobiliser. Et on n'est pas soutenus par n'importe quoi, même sur les programmes. À part une seule, ils nous ont appelé pour demander, mais sinon... Mais nous sommes ensemble. Oui, maintenant, c'est pas avant. Oui, je suis d'accord, on a fait de se mettre ensemble au départ. Ouais. Là, on n'y est pas allé pour les dire, ouais. À cause des gens qui étaient là. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que c'est le franc. T'as bien vu, moi 5 étoiles, machin. C'est des anciens colistiers qui nous ont combattus dès le rapprochement avec Alain Cadoulin. Je pense que là, on a subi, comme beaucoup de fois au cours de cette campagne, malheureusement, les guerres de clans politiques montpelliéraines. Que ce soit à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts dans un premier temps, à l'intérieur de la France Insoumise et de l'extrême gauche dans un deuxième temps. Un certain nombre d'acteurs mettent plus d'énergie à se combattre entre eux à l'intérieur de leur propre famille plutôt qu'à combattre pour des causes. EELV, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Grâce à votre engagement, Europe Écologie Les Verts a pu continuer à agir et à porter l'écologie dans le champ politique et dans la société. C'est exceptionnel. Il faut voir loin pour agir juste. Nous avons besoin de votre implication pour être collectivement à la hauteur. C'est bon ça, non ? Julien Bayou, Thierry Brochot, bien cordialement, dans l'attente. Prenons soin de nous aujourd'hui pour demain. Continuons à sauver la planète. Il me faut un chèque de 50 balles. C'est bien, hein ? C'est pour le service rendu, je sais pas. Ça doit être du même ordre que... À Paris, ils m'ont envoyé la facture de 58 euros de dépistage Covid. Tu vas bosser pour les gens et ils t'envoient une facture de 58 euros parce que tu t'es fait dépister. Parce qu'éventuellement, ils t'ont contaminé en bossant. Je pensais que ça serait vandalisé plus tôt. Ce qui m'a fait mal dans cette campagne, c'est les gens proches d'Europe Écologie, vraiment, dont une amie vraiment proche et qui m'a planté un poignard dans le dos. Ça, vraiment, ça a été... Ça a été difficile. T'as des insultes, il y a de la facilité, tu vois, social threat, machin. C'est pas signé, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une vengeance. Tu sais même pas qui c'est, en fait. Ça représente tout ce qu'on s'est pris, tout ce qu'elle s'est pris, quoi. Tu vois, les attaques personnelles, les articles de la Gazette, de la glorieuse, de machin, de trucs, voilà, bon. Là, c'est un moment assez fort émotionnellement, c'est-à-dire que j'ai revu toute la campagne. Je me suis revu au mois d'octobre, rencontré Clotilde pour la première fois, je me suis revu
un soir à Palavas avec elle au mois de décembre parce qu'elle en pouvait plus et qu'elle a éclaté. C'est la première fois qu'elle a pleuré, tu vois, dans mes bras, alors qu'on se connaissait pas trop encore. Enfin, on n'avait pas un rapport très personnel, tu vois, c'était un rapport quand même très politique. Et donc j'ai revu tout ça, j'ai vu des visages aussi qui avaient disparu, je me suis souvenu qu'on était venu installer le local, je me suis souvenu des soirées militantes, j'ai eu tous ces trucs-là qui sont venus, donc c'était plutôt un moment nostalgique. Les gens qui pouvaient pas que tu perds, tu vois. Ah ouais. Ah, les gens malveillants, il y en a partout. Hein. Bonjour. Ouais. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Alors en fait, il y a un débat France Info en direct devant le parvis de la mairie, donc là à 12h30 normalement. Et nous, de notre côté, on a décidé que c'était Rémi Gaillard qui devait y aller. Et puis apparemment, France Info nous aurait téléphoné pour nous dire que les candidats adverses n'étaient pas d'accord pour que Rémi Gaillard soit notre représentant face à eux. Donc au cas où, là, ici, il y a Moët quand même qui est venu. Au cas où, si en direct, Michael Delafosse refuse Rémi Gaillard, on aura quand même Moët Altrad qui pourra participer au débat. Vous comptez faire une place à la culture, aux équipements culturels. J'ai une requête à vous formuler. Vous savez, je suis un démocrate. J'ai toujours gouverné avec les autres. Il y a quelqu'un de mon équipe qui a quelque chose à dire. Si vous le permettez, j'aimerais que Rémi Gaillard intervienne pour poser une question. Il va pouvoir le faire, Moët Altrad, sauf que je tiens à préciser que Rémi Gaillard n'est plus sur votre liste. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui me soutient. Il s'est désisté au profit d'une colistière. Il a été au seuil d'être qualifié au second tour. Moët Altrad, c'est vous la tête de liste. Écoutez, je parlerai, je serai là, si vous le souhaitez, mais j'aimerais bien qu'il pose une question. Rémi Gaillard, qui est ici, a une question donc, visiblement, à nous poser, allez-y. Bonjour Monsieur Trabuchet, bonjour France Info, bonjour le candidat qui divise, bonjour le maire sortant. Donc en fait, je viens ici en tant que simple citoyen pour représenter la démocratie. J'ai une question à poser à Monsieur Delafosse, je le harcèle entre guillemets sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous répondiez s'il vous plaît aux frais de bouche et de transport de 40 000 euros quand vous étiez adjoint à la culture. C'est violent la vie politique, c'est très violent et cette campagne fut très violente. Je vous écoute sur ça. J'ai fait un simple calcul. En admettant qu'il y ait 25 adjoints, comme vous, qui dépensent autant d'argent, ça fait un total d'environ 2 millions d'euros sur 6 ans. Je trouve ça monumental. Alors, on l'a sans doute plus attaqué pour deux raisons. C'est le privilège d'être en tête dans les sondages. Enfin, Delafosse était quand même en tête assez largement dans tous les sondages. Donc, quand vous êtes en tête, vous êtes plus attaqué. C'est l'inconvénient. Il y a un avantage, évidemment, mais il y a aussi un inconvénient à être en tête, c'est celui-là. Michael Delafosse, est-ce que vous souhaitez répondre à Rémi Gaillard? Et ensuite, on reprendra le cours du débat. Répondre à cette interpellation qui est inexacte. Et donc, je suis très à l'aise. La Chambre régionale des comptes examine les comptes de la municipalité. Et donc, ces rapports sont publics. Et donc, il n'y a pas plus lieu de débat. Et je pense qu'il est temps qu'on reparle du sujet de la culture, parce que c'est sans doute le sujet le plus important pour les artistes, le public à Montpellier. Et je ne doute pas que M. Altrad a des choses à nous dire aussi sur ce sujet-là. Le but, c'était carrément qu'on avait des très mauvaises relations avec Delafosse.
Et même, moi, on avait tendance quand même à souhaiter plus Sorel que De La Fosse à la mairie. Donc, sur les ciblages contre De La Fosse, clairement, nous, on était ceux qui allaient chercher les arguments. Si Rémi Gaillard à France Info balance ses 40 000 euros de frais de bouche, donc ça vient de nous. Donc, du coup, on a épluché les dossiers de la Cour des comptes régionale, mais les trucs, ils faisaient 300 pages, on en avait 50 à éplucher, c'était horrible. On comprenait rien en plus, mais c'est là que c'est hyper enrichissant. Donc on est toujours amené à travailler, quoi. Finalement, on donne des billes. Rémi Gaillard, merci beaucoup d'être intervenu. On a aussi, nous aussi, beaucoup, beaucoup de questions, et je vous assure qu'on va les aborder, toutes ces questions. Rémi Gaillard. Vous abordez toujours les mêmes questions. Il y a une infirmière qui est sur la liste. Vous êtes en direct sur France. Moed Altrad est la tête de liste. Je pense que c'est à lui de répondre. C'est à lui de s'exprimer sur son programme et sur ce qu'il compte faire pour la mairie de Montpellier. Rémi Gaillard, vous avez pu interpeller en direct. Je pense que beaucoup de Montpelliérains auraient souhaité faire de même et souhaiterait faire de même. Est-ce que les journalistes sont des suppositoires du Parti Socialiste? C'est ma question que je pose à France Info, du coup. Rémi Gaillard, merci beaucoup. Dites-moi à ma question. Est-ce que je dois m'en aller et pas pouvoir poser d'autres questions? Sur la liste de monsieur De La Fosse, il y a deux députés qui ont voté une loi sanitaire et qui ont été à l'origine de la suppression de 17 500 lits. Clotilde Ollier, notre infirmière sur notre liste, lui pose une question tous les jours, il ne répond jamais. Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou est-ce qu'il va encore faire le politique? Moi, ce qui abaisse le débat, pour moi, c'est de ne pas se justifier sur 17 500 lits. Donc après, on ne vient pas me gonfler parce que machin intervenu et n'a pas respecté les codes. Je l'ai croisé en bas de chez moi, je lui reposais la question, je n'ai pas eu de réponse. Et j'en aurai jamais. Parce que ces gens-là, ils font des saloperies et puis ils ne se retournent pas. Écoutez, je ne donne pas de crédit à cette parole. Vous voyez, je n'ai pas de compte à rendre ici. J'ai des comptes à rendre aux Montpelliérains, ça oui. Pas ce type de parole. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais on se respecte. Il faut se respecter. Il y a trop de guerres sur Terre pour en rajouter ici. Pour moi, ils ne sont qu'ambition individuelle. Ils sont pornocratie. Rémi Gaillard, est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on va mais pouvoir reprendre le cours questions. Mais nous aussi, on a énormément de questions. Quand ils sont en campagne, ils sont écologistes. Et quand ils sont au pouvoir, Rémi ils Gaillard. Bétonnent. Et je vous propose qu'on retourne à la maison de la radio avant de reprendre ce débat de façon tout à fait sereine. Merci. Merci les suppositoires PS. Et toi, alors, pendant ce confinement, qu'est-ce que tu as fait? Je me retrouve à Paris. Je me retrouve face aux réalités. Je me retrouve seule dans un appartement que je connais pas, avec des collègues que je ne connais pas, dans un service où il n'y a que des gens qui ont le Covid, où il n'y a que des gens qui sont non réanimatoires, quelques-uns réanimatoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on a été... Quand on est soignant, c'est hyper émouvant pour moi de parler de ça, quand on est soignant, on nous apprend qu'on doit soigner tout le monde de la même façon, avec la même énergie, les mêmes médicaments, les mêmes médecins. C'est le système de santé français, ce qu'on nous met dans la tête. On nous dit, mais vous avez de la chance. On a de la chance en France, puisque... Trois petits points. Et là, pour la première fois de ma carrière, je me suis retrouvée dans une situation où, comme il n'y avait plus de lit en réanimation, il n'y avait plus de place. Mais, en fait... on a dû trier les patients. C'est-à-dire, sur les dossiers médicaux, il y avait noté NR ou R, réanimatoire ou non réanimatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un à qui on avait noté ces deux lettres sur son dossier médical, si c'est tout fait, mourir du Covid, c'est juste immonde. C'est-à-dire que on s'étouffe avec une espèce de pu jaune qu'on vomit et on se noie dedans, en fait. C'est ignoble. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, j'ai pas de mots. Se mourir étouffé, c'est mort noyé dans son propre corps. Quand on a en face de soi quelqu'un qui, parce qu'il a un antécédent médical, mais qui pourrait être sauvé, où il y a écrit non réanimatoire sur son dossier, qui est en train d'étouffer,
qui est en train d'essayer d'arracher son masque à oxygène, parce que quand on étouffe, on n'a qu'une envie, c'est de se lever, d'ouvrir la fenêtre et d'arracher le matériel, parce que on a l'impression que ça empire. Vraiment. Il n'y avait que le regard, parce qu'on avait tous des masques. Et quand on se regarde, quand on regarde ce patient, on a tellement envie de lui dire, mais n'arrache pas ton masque. Il y a NR sur ton dossier, tu vas mourir. On va te laisser mourir. On n'a pas le droit de te réanimer. On n'a pas le droit de t'amener en rien. Tu vas mourir. C'est horrible pour un soignant. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente le débit des seringues électriques pour endormir les gens. Mais je ne sais pas si une seule personne qui ne soit pas soignante peut comprendre ce qu'on a ressenti à ce moment-là. C'était d'une violence. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Enfin, je ne sais pas comment le décrire. De se dire que s'il n'y avait pas eu ces suppressions de postes, si on n'avait pas fermé autant de lits de réanimation, si on n'avait pas maltraité le personnel hospitalier, si on avait eu des masques, s'ils n'avaient pas tout cassé, tout détruit, ces gens-là, on les aurait sauvés, en fait. S'il n'y avait pas eu les 17 500 lits votés par le Parti Socialiste, supprimés, ces gens-là, on les aurait sauvés. C'est un truc qui est kidnappé par une femme qui est en train de se faire. Et en fait, à la fin, c'est la femme de Stockholm. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est jamais la femme de Stockholm. À la fin, tu te fais que tu es juste. C'est plus la cause était ravissante. Et voilà, tu viens à la fin, il sera communiste. Hein. Je sais pas. Hein. La fin, il sera communiste. Stockholm, hein. Il va socialiser son monde. Il va ouvrir les portes. Elle a cassé des papiers, on s'est dit notre alliance elle a du sens, parce qu'il y avait il y avait du Nous Sommes, il y avait du Ollier, il y avait des gens d'Altrad, et c'était super. Ce soir là on était trop contents, quoi. On a cassé les codes, on s'est amusé, on a montré aussi que la politique ça pouvait être autrement, autre chose. Puis ils trouvent que c'est naze, mais j'accepte d'être naze. On me dit que c'est nul ce que je fais, mais viens, fais-le. Si tu trouves ça naze, fais-le, fais quelque chose. Fais quelque chose de moins naze, enfin, si tu trouves que c'est nul. 28, tous on passe le même acte avec qu'on a évoqué pour passer au commun. Et non, justement. De la face, il ne veut pas partager le pouvoir. On allait le voir avec Nous Sommes, Petit Premier, et avec Louis Gaillard, on lui a dit tu partages le pouvoir, il a dit non. C'est normal, c'est le PS, à l'ancienne, ils ne veulent pas. Moi, je fais partie de Nous Sommes, Petit Premier, il y a Rémi Gaillard, on s'est mouillé, et on allait voir justement tous les candidats au second tour, qui étaient les trois partis chauds. Et pour entrer dans la banque, il y avait le maire il a dit non, le politicien il a dit non, et le milliardaire nous a dit que. Donc du coup, on a braqué le milliardaire et on est rentré dans la banque. Je refuse de prendre comme exemple la Casa del Papel comme un braquage pour expliquer une élection. On ne braque pas les électeurs. On braque. C'est, ne serait-ce que de penser qu'on puisse faire un braquage dans une élection, c'est juste ne pas respecter ses électeurs. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas des Robins des Bois, hein, dans la série. C'est des voleurs pour leurs pommes, pour aller dans des îles avec des millions. Donc à un moment donné, voilà, moi je ne peux pas m'associer intellectuellement à des gens qui pensent qu'on fait des braquages. Non, moi je ne braque rien, moi. Merci monsieur. Moi je suis. Si vous avez envie. Merci, bonne soirée, à bientôt. Dans la Casa de Montpellier, je ne m'exprimerai pas. Je trouve que c'est...
J'ai trouvé ça drôle pour faire rire nos équipes en interne. Mais c'est vrai, c'est toujours de l'entre-soi des fois. C'est vachement drôle, ça nous fait rire. Après, moi, quand j'ouvre mon portable et que je reçois une dizaine de messages de personnes de l'extérieur dans certains réseaux économiques ou juste des gens un peu de tous les milieux qui se foutent amplement de ma gueule parce qu'on fait une opération comme ça, je suis un peu plus dubitatif. Je pense que l'électorat qu'on visait, ça posait pas problème de faire ça. On le faisait pas en plein jour, on le faisait dans des bars jeunes. Je veux dire, un électorat qui allait pas forcément voter Altrad, qui ne votait pas Altrad et qui ne va pas voter tout court. Donc c'était un coup de poker finalement, c'est amener des gens à voter par une sorte de fantaisie populaire. Je trouvais ça un peu irrespectueux quand même, en temps de Covid, de porter un masque la Casa de Montpellier, à dire qu'on braque Montpellier. Enfin, il y a un champ lexical qui correspond pas du tout à la population montpelliéraine. Voilà, mais c'est pareil, c'était dans le même champ lexical de ce que fait Rémi Gaillard en général. Est-ce qu'il faut être sérieux pour gagner une municipalité? Est-ce que les actions médiatiques de Rémi ont altéré cette crédibilité de la liste conduite par Mouad Altrad au second tour? Je suis sceptique sur le fait que quoi que ce soit puisse altérer l'image de sérieux de Mouad Altrad. Si vous en parlez, je pense qu'ils auraient parlé à un chien, qu'ils auraient bien parlé. On s'en fout d'un poste d'élu. Ce qu'on veut, c'est devoir faire des choses, bosser, faire de l'écologie, être actif. Mais ils ne voulaient pas. Le but, c'est d'intégrer une municipalité, mais pour pouvoir faire quelque chose, on est toujours dans la même logique. Un poste pour gagner des sous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pouvoir agir, être utile et faire des choses. Donc c'est avec Altrad qu'on avait le meilleur moyen de d'être efficace parce que sur les points programmatiques, il a validé ce qu'on a demandé qu'il fait. Voilà. Force de constater que les Montpellierains n'ont pas donné un retour positif à ce type de campagne. Parce que sinon, nous aurions récupéré à minima notre électorat et on aurait progressé sur un électorat, ce que j'appellerais un petit peu plus volatile ou un petit peu plus déjanté ou décalé. Donc, c'est les résultats qui vous disent si votre communication a été bonne ou pas bonne. Donc, les résultats ne sont pas bons. On n'a pas été élu. Après, j'ai l'âge de mes artères, donc forcément, j'ai une vision et une attitude qui est légèrement différente. C'est pas parce que je suis conformiste pour autant, mais je me vois pas trop dans ce rôle de la Casa del Papel. En tout cas, bonjour pour ceux que je n'ai pas salués. On voulait faire une dernière conférence de presse sur cette campagne qui va se terminer, mais ça, c'est pas un scoop. Et on voulait la faire dans un lieu un petit peu plus symbolique, sur un thème un peu plus symbolique. Et je pense que c'est à notre candidat d'exprimer la synthèse du pourquoi aujourd'hui on veut s'exprimer sur ce thème. Ben oui, c'était un symbole, puisque, enfin, pour moi, en tous les cas, puisqu'on avait commencé la campagne de l'Union de l'écologie en commun à la gare sud de France. Et là, c'était la boucle qui se terminait à la gare sud de France. La gare sud de France qui est l'exemple même des grands projets inutiles. La gare sud de France, c'est un des projets portés par Delafosse à la base. C'est un projet qu'il a défendu jusqu'en 2016-2017 et où il y a eu pendant longtemps une opposition ELV vis-à-vis de Delafosse sur la question de ce sujet-là, de la gare sud de France. Et en ayant fait cette alliance avec Delafosse, en fait, ils ont complètement oublié cette gare sud de France. Et donc, voilà, ce symbole-là, c'était de reprendre ça au vert. C'est sur la question du drapeau. C'était la colline qu'ils ont abandonnée, en fait. Voilà. Ils l'ont abandonnée, ils l'ont laissée. Bah, ok, ressaisissons-nous ça. Alors, je vais y aller sans papier parce que je vais vous parler avec le cœur. Parce qu'ici, on est où? On est face au désastre. On est juste face à ce qu'on appelle ces grands projets inutiles. Vous savez, ce qu'on voit là, ce dont on nous parle à la télé. Qui a signé la construction de cette gare, de cette fameuse gare? Qui l'a signé? La région, Parti Socialiste.
le département Parti Socialiste et la mairie à l'époque. Je vous rappelle que l'adjoint à l'urbanisme, c'était Michael Delafosse, qui actuellement se présente en grand défenseur de l'écologie. Alors moi, j'en ai assez. J'en ai assez de ces gens qui retournent leur veste. On sait qu'on a 10 ans pour changer les choses. Et maintenant, nous, en tous les cas, on y va de front. Et on a dit que tout ce type de projet, c'était fini. On ne fait plus de la politique comme ça. On n'a plus le temps, on n'a plus le droit. Et à la base, on avait dit aux équipes d'Altrad, on pensait bien faire une conférence de presse sur le sujet de l'écologie sans compromis. Eux, ils comprennent que c'est bien s'ils sont là. Nous, c'était « si vous êtes là, c'est bien », mais en fait, on peut aussi le faire. Enfin, c'est nous qui maîtrisons notamment ces sujets, même s'ils avaient aussi des propositions sur l'écologie. Avant de passer la parole à l'EDCA, je voudrais aussi passer la parole à Salim, qui incarne aussi l'écologie par son mouvement. Et ensuite, l'EDCA fera la conclusion. Du coup, on s'était mis d'accord sur qui prenait la parole chez eux. Ils ont voulu, au dernier moment, changer l'ordre. Ils ont voulu envoyer des gens qui n'étaient pas prévus. Voilà, ça, c'est typiquement un moment où moi, je me dis « mais les gens sont... » Faire une conf de presse alors qu'on l'a calé avec qui dit quoi et quand, ça a été pensé par des gens. D'avoir des gens qui se rajoutent pour voilà, juste exister, mais moi, ça me fait rire. Quoi. Enfin, en vrai, j'ai même pas envie de... Peut-être que médiatiquement, les gens disent « Ah, ils ont pris de la... Enfin, » Moi, je me dis « Mais les gens sont des enfants. » D'abord, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une opposition entre la définition de l'événement et le déroulé de l'événement. Et l'écologie a toujours été au centre de leur projet. Je passe la parole à l'écologie. Avant, on est sur Cambacérès, et Cambacérès avait un projet. Et je pense que Serge va nous donner quelques détails sur notre vision de Cambacérès. Sur les tours de parole, j'ai trouvé que c'était très... tout le monde s'est exprimé. Non, j'ai pas... Et en plus, sur le contenu lui-même, on était tout à fait d'accord. Ça a complètement brouillé, on sait, en termes de conférence de presse. En gros, il y a un, voire deux messages qu'on peut faire passer, pas plus. Parce que les journalistes, en fait, ne reprennent pas plus que ça. Et forcément, en fait, les retours presse de cette action sont pourris parce que finalement, on ne parle même plus de ce que nous, on avait voulu présenter, le plan de relance écologique, parler d'écologie là-dedans, voulait présenter un plan de voiture solaire, enfin voilà, des trucs. Et qu'en fait, c'est pas du tout... C'est une catastrophe, ce moment-là. Excusez-moi, sommes partis d'Europe Écologie Les Verts Montpellier. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne souhaitions pas être les faire-valoir écolos du Parti Socialiste. Et c'est ce dont sert Europe Écologie Les Verts depuis trop longtemps. Pour le côté fonce, enfin, cogner sur Europe Écologie Les Verts, disons que quotidiennement, on est quand même relativement légitime parce qu'on a été chez eux, on connaît précisément les angles morts de leur accord. Ils ont déjà intégré des majorités du Parti Socialiste à Montpellier. Ils n'ont rien fait. Ils sont responsables de l'état de précarité dans lequel se trouve notre territoire, qui n'est pas prêt par rapport aux crises qui vont advenir, et ce, beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense. Je pense que de refaire l'histoire, quand l'histoire n'est pas modifiable, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, je n'avais pas un avis très positif, quand bien même... La zone est un symbole qui est intéressant, mais mis à part le symbole, le fond, pour moi, n'avait pas un grand intérêt. Merci beaucoup. Je vous dis à dimanche soir avec le grand plaisir. Merci et puis bonne fin de journée. Bonjour, monsieur Dormagin. Qu'est-ce que vous pensez de l'objectivité des médias montpelliérains ? C'est des médias absolument remarquables qui font la fierté de la ville et plus globalement la fierté de notre pays. Il suffit de lire le numéro qui précède ce second tour d'élection municipale pour s'en rendre compte. Midi Libre est extrêmement critique sur Michael Delafosse, vraiment avec beaucoup de courage. Hein, en le présentant comme le descendant de Jaurès, Blum et Mitterrand, il le tire vers le bas. Parce que clairement, il mériterait mieux. Et la Gazette, en oubliant qu'il y a 3 candidats au second tour, là aussi fait preuve d'une objectivité et d'une impartialité remarquable, qui était tout à l'honneur de son responsable. Monsieur Serre, Pierre. Merci. L'électorat élargi, le grand public s'informe à Montpellier, toujours via Midi Libre, hein, d'autant plus que l'électorat est assez âgé, donc Midi Libre a un quotidien qui a un impact important sur l'électorat réel, hein, sur les votants réels, effectifs, puis il y a quelques sites d'info. Et une des grandes difficultés de la campagne Ollier, c'est que, de fait, nous avions... ces médias en partie contre nous. Ouais, t'as vu, c'était bien, hein. Mais surtout que Sophie, c'était ma meuf, quoi. Ça t'arrive tous les jours, c'est bien aussi. Oh, oui, ma meuf, quoi, les politiques. Merde, j'ai envie. Ça va, toi ? Ah, c'est pas vu aujourd'hui. Salut, on a dit que t'étais ma meuf. Ah, j'ai pas vu. Ah, mais c'est la vidéo du mariage ? Ouais. Ouais, il y avait sa meuf, j'espère qu'elle va pas me frapper. T'as vu, j'ai rien vu. C'est un peu de genre, en fait.
Ça va ? Donc on attend midi libre, je crois. Il y a personne d'autre, c'est ça ? Non, c'est bien. Midi libre et c'est fini ? Ouais. Ok. C'est bien de nous accompagner à la dernière minute. Ouais. Ouais, mais écoute, moi j'ai rien demandé, hein, je voulais juste mes deux. C'est Métropolitain et Midi Libre. Enfin, même pas Midi Libre. Un journaliste à Midi Libre et un journaliste à Métropolitain. C'est une question de confiance après avec les journalistes. Je sais qu'ils respectent mes mots. C'est important déjà. Je quand tu dis un truc et qu'après t'as. Mais j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu vois ? Ça, je trouve que c'est important. Bah oui, mais il est bien content quand on est là pour relayer ses propos ou ses communiqués de presse ou. Donc c'est facile d'attaquer et quand t'es devant eux, t'es bien content qu'ils soient là. Midi libre ! Il va falloir parler fort. J'aimerais m'adresser directement aux candidats et c'est pour ça que j'ai fait venir leur représentant. Donc à le représentant de Michael Delafosse avec Midi libre. On a vu aujourd'hui comment vous l'avez mis en avant sur vos pages. Et c'est magnifique, et je vous souhaite qu'il soit élu. Évidemment, un journal comme Midi Libre ne peut pas forcément lui plaire, mais de toute façon, on n'est pas là pour plaire à qui que ce soit, au demeurant, on est là pour donner de l'information. Après, effectivement, chacun s'y retrouve comme il veut. Bon, c'est mon premier point presse de campagne, et je suis assez impressionné parce qu'il y a du monde. Donc, soyez indulgents, j'ai pas l'habitude avec ce genre d'exercice, et je sais que Alenka et Clotilde ont plus l'habitude de ça. On est d'accord ? On a un an d'entraînement. Ok. Je précise que mes deux acolytes ne sont pas au courant de ce que je vais expliquer. Et on n'est pas à la brasserie du quorum complètement par hasard, c'est assez symbolique. Parce que moi, c'est pas le genre d'endroit où je traîne. Bonjour. Ça va ? Merci, je t'aime. C'était prévu, évidemment. J'ai oublié le chèque. Voilà. Je ne suis pas parti du Parti Socialiste. Alors, moi, au départ, je me suis présenté. C'est marrant, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Je me suis présenté pour les Indimons. Je me suis présenté parce que j'ai promis à mon chien de me battre pour lui et ses congénères. Et il se trouve que j'ai été dépassé par tout ça. Et j'ai pas fait les 3 ou 4% que tout le monde espérait peut-être, les autres candidats. Et on a presque fait 10%. Donc t'imagines bien que quand un clown fait 10%, c'est pas drôle. Et dans l'histoire, on l'a vu avant, je me suis jamais comparé à Coluche. Donc les choses soient bien claires, il a fait quelque chose au niveau national. Et je sais rester à ma place. Donc tout ça, c'était nous. Mais la tartufferie, non. Ce n'était pas nous, je l'espère en tout cas, parce que je crois avoir été assez honnête et assez sincère dans ma façon de faire la campagne. C'est important ce que je veux dire, je crois que c'est le plus important. Pour ceux qui pensent que je suis con, j'aimerais quand même les rassurer, malgré toutes les intimidations que je peux recevoir, je ne suis pas encore au max. Et au contraire, tout ça ne fait que me motiver. Merci. Ah, t'as une question ? J'ai pas l'habitude. Donc. Oui, une conférence de presse, ça suppose des questions. Ah, d'accord, très bien. Moi, j'ai une question. Dans cette dernière ligne droite, ce qui est intéressant, c'est que vous snipez essentiellement un seul candidat, Michael Delafosse. Ouais, alors, c'est étonnant parce que derrière, il y a la journaliste du Midi qui fait « Eh oui, c'est vrai !» Tu vois, parce qu'elle soutient Monsieur Delafosse. Et c'est pas faux. Non, c'est pas pour ça. Tu t'arrêtes de suite, sinon, tu sais quoi, Midi Libre ? Stop, quoi. Non, au bout d'un moment, tu te calmes et tu t'arrêtes, quoi. Voilà, donc. Ça suffit. Effectivement, quand on attaque mon journal, on m'attaque à moi. Donc, c'est pour ça que ce jour-là, effectivement, j'ai répondu, parce que j'ai rarement ma langue dans la poche, de toute façon. Les critiques, on peut en prendre, on est perfectible, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais bon, de temps en temps, il faut quand même remettre les points sur les i, quand même. Quoi. Midi libre derrière, un peu d'humour. Tu le sais, on s'est souvent chamaillé. Il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Donc, évidemment, je te chamaille, mais tu sais que personnellement, je t'aime bien. On redescend avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Voilà. Mais tu sais très bien que ton directeur de rédaction m'a jamais épargné, donc c'est le jeu. Il me rentre dedans, je lui rentre dedans. Voilà, jeu. Voilà. Moi, je défends mon donc ce n'est pas. Moi, je défends ta cause, moi, je défends mon titre. Chacun est fidèle. Exactement. Ce n'est pas contre toi personnellement, que ce soit bien clair. Mais c'est très bien parce que tu défends ton patron que je ne respecte pas vraiment, comme nous, on défend peut-être quelqu'un que peut-être tu ne défends pas vraiment. Voilà. Donc tu vois, finalement, on se ressemble. Super.
Je suis né dans un désert syrien, dans le dunement le plus complet. Toute ma vie, je me suis battu pour être accepté et me faire une place dans la société. Avec Clotilde Ollier, Alain Cadelin et Rémi Gaillard, nous allons changer cette ville. Les rencontrer a été une joie inespérée, l'espoir d'une seconde chance pour Montpellier. Le 28 juin, votez l'audace en commun. Votez Moed Altrad. Bah, je le sens comment? Je sais pas. Pour nous, je le sens pas super, super bien. Vous vous rendez compte que notre destin est en train de se jouer? Premier, Clotilde Frédéric Laurence. À voter. Bon, de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Si, on peut aller mettre un cierge à l'église Saint-Roch. Ouais, ou. Ouais. Il y a Jean-Yves qui donne au filet 2 euros d'ailleurs. Parce qu'il a dit qu'il contribuait. Ouais. Non, je suis pas contre. Mais la superstition, mais marrant, si on le fait pas ce soir, on saura. On saura jamais si ça a marché. Par contre, on pourra dire que ça a marché si jamais ça marche. Tu le fais pas avec tes élus, par exemple. Ça peut marcher. Non, c'est pas réversible le raisonnement. Si t'avais mis un cierge, t'aurais peut-être perdu. C'est la potentialité. C'est pas ça la règle. C'est pas du tout le règlement intérieur. Il fonctionne pas comme ça. Excuse-moi. Tu mets 2 euros, ça te donne une chance supplémentaire. C'est pas du tout ça pendant les. Mais là, on va mettre 6 euros. Ça triple les chances. Ça triple les chances. Ouais, ouais. Putain, mais félicitations, vous êtes champion du monde, je suis trop contente pour vous, quoi. Putain, c'est bon, quoi. Je suis trop contente, c'est génial. Ah, con, bravo, quoi. Vous les avez niqués, je suis tellement contente. Putain, c'est bon, quoi. Je suis tellement contente, 6 ans de taf comme des tarés, quoi. Bravo, putain, j'aimerais tellement être avec vous, je vais venir boire le champagne avec vous, je suis trop contente, c'est génial, bravo. Gros bisous, génial. Génial, bisous. Ciao. Ah, c'est bon, putain, ils sont en train de faire la fête. Ah, putain, je suis trop contente, quoi. Toute la liste, là, que je soutenais, ils ont tous gagné. Je suis trop contente. C'est génial, ça veut dire que on a sauvé au moins un village du béton. Et ça, c'est une super victoire pour moi. Ça peut sembler rien pour les autres, mais... Mais 6 ans de boulot, 6 ans de vie perso mis de côté, 6 ans de... C'est vrai, là, on parle de Montpellier, mais... Mmh. On a tellement taffé pour... J'ai tellement donné de mon temps perso, de mon énergie, de tout ça. Putain, ils ont gagné. Je suis trop contente. Oh, putain! De la fosse. Toi, tu le mettras dans ton reportage? Tu veux lunettes? Qu'est-ce que tu veux? Ça va son résultat? D'accord, c'est un carton pour de la fosse. Bah, pour l'instant, c'est les 100 premiers bulletins, je crois. Sur 135 bureaux, c'est véridique à 62% vu qu'on n'a pas un accomplissement total. C'est automatisé, il y a 8 ans qui rentrent. Et il y a une base de données. Alors, il est maire de Montpellier. C'est que les 100 premiers bulletins. Ouais, mais les 100 premiers, c'est quand même pas mal. Ça sent moisi. Et puis, t'as mon pourcentage ici. Il met 10 points à tout le monde. Il met 10 points sur elle. Ce que je dis, c'est pas forcément.
Mais nous, on a 17 seulement. On n'a que 37 bureaux sur 135, hein. C'est lesquels les bureaux? C'est les bureaux du centre? Je sais pas. C'est pas bon. Non. Du tout. C'est pas bien. Par contre, c'est chaud. On a 17 litres pour l'instant. Non, 0,4. 39 bureaux. Ouais. Ça sera de toute façon une grosse claque, mais de là, il fallait qu'on avance. En gros, on n'est pas loin du scénario pire. Parce que l'outil, elle est élue à 18-18. Là, on est à 17-9. 17-8 même. 17-8, ouais, donc il manque 0,3%. Mais, enfin, si ça se termine comme ça, je peux, je sais pas, je ne réponds pas tout à fait de mon comportement dans les heures. On plaisante, mais... Il n'y a que 41 bureaux hein, pour le... Bon, après, oui, mais tu vois, là, l'écart est trop... Là, il n'y a plus de match, tu vois. Point d'écart, là, en plus 11. Nous, on est à 18. Donc 0,18. C'est en temps réel, ça monte aussi. Temps réel. À chaque fois qu'un militant fait remplir un formulaire qui est automatisé, ça tombe dans une base, ça se met automatiquement avec des calculs et des macros. Il est très mal en fait. Véridique sur les résultats finaux. On a combien nous là? 17-7. C'est un scénario le plus. C'était la peine de raconter des saloperies? Est-ce que c'était la peine, monsieur Cuche? Monsieur Cuche, est-ce que c'était jamais la peine de faire un article dégueulasse? On raconte jamais de saloperies, jamais. Monsieur Cuche, est-ce que c'était la peine de raconter des saloperies? On le sait qu'il est très sincère et okay. Le plus honnête, le plus honnête au monde. Ah, vous voyez? Ah ouais, ah bah, c'est pas moi qui le dis. C'est la jeunesse qui parle. Et qui connaît pas le second degré. Non, mais... Putain, j'étais au sujet de la fosse, là, c'est... Alors, on est hors sol, là. Ils sont hors sol. Sur la Caraïbe, non? Ouais. Ils sont hors sol. Ils sont hors sol. Ça change pas, quoi. Ils ont gagné. Ah ouais. Ils ont gagné. Et on est à combien, nous? Sur France 2, il dit que ça... On est à 19, donc à mon avis, on est... On est sur la marche haute de 18. Enfin, quand on est à désinguer ta propre candidate pour faire gagner le PS, c'est que... Mmh.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est le jeu. T'as les résultats là pour le moment? T'en es à quoi toi? Parce que t'as les résultats. Ouais. Ouais. Parce que moi, enfin, si tu veux, le résultat est important parce qu'à 18-2 je passe, à 18 je passe pas. À Métropole. Ouais, c'est un peu dur. Non, mais je sais. Écoute, en tout cas, ouais. Faut se serrer les coudes dans ces cas-là. À bientôt. Ciao. Ah, on aurait dû prendre cette ligne, tu vas te souvenir. On aurait dû être dans cette vague. Mon pli aurait dû tomber aussi. Oui, évidemment. Mais elle aurait dû tomber. Mais pourquoi? C'était évident. Non, on en résume toujours au même connard. On en résume toujours au même connard. Le PS n'a pas voulu. Voilà. Ils se sont alliés avec leurs potes PS qui sont dans ELV. Et puis voilà, écoute, qu'est-ce que je te dis? Ah, je sais. Il y a un moment, il faut danser. Il y a un moment, la seule solution, c'est de danser. C'est pas la nouvelle de l'année? Putain, je suis trop contente. Hurle. Ah oui. Non, je sais que vous en avez rien à foutre, mais moi, ça me fait plaisir. J'ai mis 6 ans de ma vie là-dedans. L'enquête nord-ouest. Chopé cul, je lui ai dit alors. Murle, tête d'œuf. Tu lui as dit ou pas? Ben oui. Quand? Ben, tout à l'heure, j'ai chopé en scooter, je lui ai dit alors, murle. Ils sont tous passés, tête d'œuf. Il t'a dit quoi? Mais dis rien, qu'est-ce qu'ils disent? Il était payé son reportage de merde. Je sais que les gros dossiers écolos sont à la métropole et c'était bien qu'on soit au moins deux, Alinka et moi, à la métropole parce que c'est difficile de porter les choses seules. Et d'être deux, c'est... On se renvoie la balle, on sait, donc c'est plus facile. Donc vraiment, c'était important qu'on soit au moins deux à la métropole. Ce matin, on va voter pour élire le maire de Montpellier. Il y a une personne qui se présente pour être tête de liste, mais après c'est la démocratie, c'est-à-dire c'est l'ensemble du conseil municipal qui va élire le maire. Les élections sont terminées, les électeurs ont tranché et désigné leurs représentants, vous, nous. Il nous appartient maintenant de faire fonctionner de manière démocratique l'institution qui nous a été confiée. Et derrière, le maire, il va décider de qui il va s'entourer pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il va donner son pouvoir, il va le déléguer aux autres membres du conseil municipal, à certains membres qu'il aura choisis. Donc pas moi. De la Fosse est donc élu à la majorité absolue des suffrages.
de ma place, je ferai tout pour que, ben, pour que ça aille dans le bon sens. Et là-dessus, vous pouvez compter sur moi.